Qu'est-ce que c'est d'être français? Pour moi, français, c'est ouvert. Pour moi, c'est un esprit d'ouverture. Une ouverture vers les autres, vers le monde. Tolérant, mais en même temps acceptant les règles qui sont établies depuis un certain nombre d'années. Être tolérant et savoir s'accoutumer aux mœurs et aux règles du pays. Pour moi, c'est les trois mots qui représentent la France, la liberté, l'égalité, la fraternité. Voilà, et puis bon, l'espérance de la possibilité de pouvoir s'intégrer. Connaître les éléments fondamentaux de la nationalité française, savoir l'hymne national. C'est la liberté de parole, c'est l'accueil, c'est les arts, la culture. Être français, c'est défendre les valeurs du pays et respecter sa nationalité. Le fait d'avoir le droit à l'accès à tout ce qui est proposé en France, c'est-à-dire que ça peut être les soins, l'éducation ou le travail. Être français, c'est avant tout savoir parler français. Je pense que c'est la priorité. Savoir écrire et connaître les us et coutumes du pays. Après, le reste, je pense que chacun s'approprie le pays et à sa façon et que les cultures font l'enrichissement d'un pays. Voilà. Spontanément, déjà, je vais dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être français. C'est un peu une erreur de croire qu'il faut ériger une manière. Être français, c'est comme ci, comme ci, comme ça. Non, chacun est français à sa manière. Être français, c'est respecter les valeurs de la France. Liberté, égalité, fraternité. Être français, c'est pas que être blond aux yeux bleus, arabe, noir, jaune, gris, ce que vous voulez. Et ne pas confondre religion et nationalité. Avoir des droits. On a de la chance d'être dans un pays où on peut avoir une liberté d'expression, une certaine démocratie, à dire ce que l'on pense, ce qu'on ressent. Pour moi, être français, ça peut avoir diverses origines. Ça peut être tout simplement par la naissance, ça peut être par l'acquisition. Et en revanche, les valeurs de la France, pour moi, ce sont des valeurs d'humanisme, des valeurs d'accueil, des valeurs de tolérance. Être libre dans ses pensées, être libre dans la vie et s'épanouir, tout simplement, quoi. Ouais. Avoir un travail, respecter la loi. Et en plus de cela aussi, savoir ce que l'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. Ouais, pour moi, c'est ça, être français.